Julien, vous m'entendez? Parfait, merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à cette séance d'aujourd'hui avec la conférence de Madame Julienne Lusange, qui parlera sur la violence contre les femmes au Congo. Merci à ceux d'entre vous qui sont personnellement ici à au centre Bonne Maison, et ceux d'entre vous qui nous suivent directement online, en anglais, pardon, en français et en catalan. Les personnes du Congo et d'autres pays francophones peuvent nous suivre sur le canal français. Alors, l'Institut catalan international pour la paix, l'ICIP, a donné son prix annuel ICIP constructeur de la paix à Julienne Lusange. Premièrement, permettez-moi de vous dire que l'ICIP est une institution publique indépendante avec le mandat de promouvoir la culture de la paix à la société catalane et aussi à un niveau international. Dans cette tâche, nous menons à bien des différentes activités et des programmes d'action avec une composante internationale et une composante reliée à notre propre réalité. Et dans ces activités, la plus importante est le prix ICIP pour les constructeurs de la paix. Cette année, nous sommes très contents parce que c'est la 10e édition du prix. Et c'est un prix que, d'une certaine façon, pendant ces 10 années d'existence, a eu une sensibilité spéciale pour le travail fait par les femmes dans des contextes de violence, dans des contextes de difficultés spéciales. En 2012, le prix a été pour les mères de Soacha, un quartier de Bogota, en Colombie, pour reconnaître la reconnaissance de ces enfants disparus. Mais on a découvert peu après qu'ils avaient été assassinés par les forces publiques de l'État. Et on a essayé de leur faire, de justifier ça en disant qu'ils étaient des guérilleros. Et puis l'année dernière, le WILP, le Comité des femmes pour la liberté, une institution emblématique du mouvement international pour la paix. Et l'année dernière, le collectif Familles et personnes disparues en Algérie, dirigé par des femmes et les familles des personnes disparues. Julien Lusange sera présenté Père Moncey. Mais je voudrais remarquer, pour commencer, qu'elle a étudié journalisme. Mais toute sa vie, elle était une activiste pour la paix et les droits dans un lieu avec la plus grande complexité de conflits du tout le monde, au Congo, où il y a un mélange de facteurs culturels, des facteurs internationaux, avec la frontière avec le Rwanda, et aussi le contexte international par les activités d'extraction et toutes les dimensions du conflit que nous voyons dans tout le monde. On peut dire que dans le contexte d'où naît, où vit, où survit malgré toutes les adversités, Madame Julien Lusange, on voit toutes ces situations si difficiles, toutes les conditions si difficiles. Et malgré ces circonstances si difficiles, elle est devenue une icône. Elle est devenue une lumière qui a été capable de mettre en évidence la violence et donner du pouvoir à toutes les personnes, les femmes et les filles, surtout dans ce contexte, qui doivent faire face à ces adversités. Et ceci fait que Madame Julienne Lusange soit une personne spéciale. Et les institutions qu'elle a créées et qu'elle a promues, ce sont aussi des organisations de repères qui ont toujours un grand impact pour beaucoup de femmes, non seulement dans sa région, mais dans tout le pays, dans tout le continent et à un niveau international. Parce que Julienne Lusange est une activiste non seulement locale, mais aussi internationale. Mais nous sommes très contents aussi parce que cet événement a été organisé avec le département d'égalité et de féminisme
de la Généralité de Catalogne. Et dans le cadre de cette coopération, aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Montse Pineda. Montse a étudié en travail social et santé publique, mais surtout, elle est aussi une activiste dédiée à promouvoir et participer dans beaucoup d'organisations sociales en Catalogne et aussi en Espagne et internationalement aussi. Montse a été professeur de violence contre les femmes à l'Université de Barcelone. Elle a écrit des publications sur ce sujet. Et c'est pour ceci que maintenant je donne la parole à Madame Montse Pineda. Merci, Montse. Merci bien. Écoutez, je suis très contente pour deux raisons. Premièrement, parce que je suis à côté de ma sœur, Julienne Lussange, et je l'appelle sœur, parce que je me sens très très proche à sa lutte, et je me sens très très proche à elle. Et plus tard, je vais faire un remerciement une autre fois, et je suis ému, parce que c'est mon premier événement comme représentant du féminisme. Et dans le nouvel ministère catalan, on est en train de promouvoir des politiques de transformation féministe, de transformation interraciale. Et nous voulons faire face aux situations d'inégalité, discrimination et violence qui souffrent les femmes. Et je dis que c'était spécialement je suis très fier d'être à côté de cette femme extraordinaire, parce qu'une partie de ma trajectoire, comme Christian vient de le dire, est reliée à la violence sexuelle et à l'activisme. Et c'est pour ceci que je suis si contente d'être ici aujourd'hui avec vous et de pouvoir exercer mon rôle comme secrétaire de la Généralitat. Elle a eu l'occasion de connaître Madame la ministre catalane et une partie de notre équipe de travail. Elle a aussi pu nous dire quelques mots. Je vous la présente parce que on est venu pour l'écouter elle. Moi, je suis un accessoire institutionnel, tout simplement. Mais je veux mettre l'accent sur l'importance pour le gouvernement catalan actuel, les politiques féministes, les politiques de sensibilisation pour la paix, de constructeurs pour la paix, parce que c'est évident, dans le contexte que nous vivons, non seulement à l'Afghanistan, mais aussi dans d'autres pays. Sans la paix, nous ne pouvons pas parler d'égalité ni de démocratie. Alors, ceci pour nous est très important et c'est très important aussi pouvoir être ici aujourd'hui avec Julienne. Julienne est née en 1958. Je vais le lire parce que je veux bien dire les choses. Et je voudrais remarquer quelque chose. Elle est née en 1958 dans une province du Congo qui s'appelle Haut-Uele. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre région. Oh, je m'excuse alors. Elle est une activiste congolaise très reconnue en ce qui concerne les droits de l'homme et les violences contre les femmes. Elle défend la justice pour la paix et l'égalité. Et elle a fondé des différentes organisations. En 2001, elle est la présidente cofondatrice de SOFEPADI, qui est une organisation qui travaille pour les droits des femmes et des filles en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive dans la République démocratique du Congo, pour le besoin donc d'une défense plus grande des femmes et des filles. Et en 2007, elle a promu la Fondation des femmes congolaises, le fonds pour les femmes congolaises. Elle est la directrice organisative de la fondation et elle fait la promotion des femmes pour générer des espaces de paix et d'égalité. Le fonds pour les femmes congolaises travaille à six coulages. C'est pour le pouvoir des femmes, le leadership des femmes, la transformation des conflits, la santé sexuelle et reproductrice, la justice climatique, la protection de l'environnement et la protection contre le masculinisme. Elle est membre internationale de la campagne contre les violations et les violences de genre dans les conflits. Elle est une grande activiste bien reconnue pour
promouvoir le fait que les conflits armés génèrent de la souffrance, ils créent de la souffrance, mais aussi cette fragmentation des valeurs fondamentaux de la société. Et ceci a un effet profond sur les femmes, avec cette double perspective de la destruction du tissu démocratique, de l'égalité et de la justice, mais aussi avec la composante fratricide, homicide, qui fait des femmes des sujets de violence. La représentante des femmes, International Femmes for Peace, elle a reçu, entre autres, le Chibalif de la Légion d'honneur du gouvernement français, le prix Ginette Sagan d'Amnesty International, le prix international des droits des femmes à Genève sur les droits de l'homme et démocratie. Elle est reconnue par sa défense, comme je vous le disais, des femmes victimes de violences sexuelles pendant la guerre. Pendant la guerre de sa République, elle a été activiste, elle a travaillé comme journaliste, comme Christian vient de le dire. Et dans son pays, quand le conflit a éclaté et à travers la mission humanitaire, elle a formé sur la santé et les droits de l'homme. Elle a donné une voix directement aux femmes. Et ce processus aussi était un processus politique, parce que nous ne parlons pas de femmes dans une situation de violence quand nous sommes en train de quand nous ne parlons pas tout simplement de droits politiques, mais aussi de l'autonomie, de la liberté des femmes. C'est un espace commun. Tout au moins pour moi et pour cette tentative de mettre dans cet événement quelque chose qui va au-delà d'une description, d'un CV, d'un résumé. Ces descriptions de résumé que nous faisons quelquefois, ils ne mettent pas la lumière sur ce qu'on est, sur le fait qu'il s'agit de personnes qui sont engagées avec leur peuple, leur pays, et aussi avec les valeurs de la démocratie et de la justice. Alors, avec son travail de défense, il y a 800 perpétrateurs de violences sexuelles qui ont fini à la prison. Ce n'est pas la pénalisation qui est la plus importante, mais nous voulons lutter contre l'impunité dans le cas des conflits armés. Et ceci est relié à ces processus. Tout simplement, permettez-moi de vous dire que Julienne, dans son pays, elle a entamé un nouveau projet, une nouvelle ONG avec un objectif pour fermer la différence digitale pour les femmes, des jeunes qui n'ont pas d'accès à l'information sur leurs droits et qui ont le risque de subir la violence des hommes physique, psychologique et sexuelle. Et ceci met en évidence le besoin d'aller au-delà de la fragmentation générée par les conflits armés et aussi des effets sociaux qu'ils produisent, ces conflits armés. Et finalement, je voudrais dire, comme représentante du ministère catalan, que le gouvernement catalan défend le rôle clé que les femmes jouent dans la résolution des conflits armés. Et le travail qu'on est en train de faire, c'est une reconnaissance non seulement au travail de Julien Lussange, mais aussi le travail fait par d'autres activistes qui sont en train de mettre le focus sur des nouveaux éléments pour la résolution des conflits. Et surtout, ils sont en train de mettre en évidence le besoin que les femmes soient en première ligne dans les processus de paix. Nous sommes bien conscients que la résolution des conflits, comme je le vous disais, ne peut pas être faite tout simplement avec des processus verticaux. Mais c'est le contraire. Les négociations ne parlent pas de domaines verticaux, mais de droits de l'homme. Alors, le pilier fondamental des femmes dans cette façon de résoudre les conflits, la façon de réparer les conflits est fondamentale. Le gouvernement de la Catalogne défend la participation des femmes dans les processus de paix, mais aussi l'inclusion des femmes avec leur propre voix. Nous n'avons pas besoin de personnes qui parlent pour
pour nous. Nous avons besoin de parler par nous-mêmes. Nous voulons être les auteurs de notre propre histoire. Et le gouvernement de la Catalogne, le département d'égalité et de féminisme, nous défendons que les politiques publiques soient reliées à un niveau local, régional, national et international. Je veux remercier la présence de notre directeur. Et nous avons besoin de partager à l'intérieur du pays et au-delà de nos frontières tout ceci pour partager de façon que entre les nations nous pouvons apprendre et nous comprendre, spécialement entre les femmes. Merci bien et soyez la bienvenue, Julienne. Christian, je t'ai changé ton nom 3 fois. Excuse-moi. Merci d'être là. Je vous remercie. Je remercie encore ici. Et je vous remercie. Je remercie le gouvernement catalan pour m'avoir donné cette opportunité de venir parler de ce qui se passe dans mon pays. Ça fait plus de 20 ans que mon pays, la République démocratique du Congo, qui est au centre de l'Afrique, un grand pays qui est plein de ressources, toutes sortes de ressources minérales, qui a une grande forêt, des rivières, des fleuves et tout, qui a une population très jeune, très active, mais ça fait plus de 20 ans que ce pays est en guerre. Des guerres entretenues par les compagnies minières, qui instrumentalisent les groupes armés, qui donnent des armes à ces groupes armés pour que ces groupes restent autour des minerais. Comme ça, ils exploitent illégalement nos ressources. Bien sûr, il y a la corruption. Quelques Congolais qui sont corrompus, qui travaillent avec ces groupes et qui donnent les voies à l'ennemi d'entrer dans nos communautés. Nous avons aussi les pays voisins. Notre pays est à frontière avec 9 pays. Quand on a divisé l'Afrique à Berlin, on n'a pas regardé les tribus. Donc on a passé les frontières et ça a divisé, ça a séparé les communautés. De façon qu'il y a une partie qui reste en Ouganda, une partie qui reste au Congo, une partie qui reste au Rwanda, une partie qui reste en Angola, à Brazzaville. Il y a des gens qui ont des cousins là-bas et qui sont au Congo. Mais avec tous les autres pays, on n'a pas de problème. Mais avec le Rwanda, on a des problèmes depuis le génocide du Rwanda. Nous payons le prix du génocide du Rwanda. Parce que tous les génocidaires ont traversé avec armes et munitions dans notre pays, à la demande des Français et des Belges. Depuis qu'ils sont rentrés dans notre pays, on a vu se développer un fléau de viols et de violences sexuelles. Ils ont utilisé les viols et les violences sexuelles comme armes de guerre pour faire taire les communautés, pour imposer leur pouvoir. Ils tuent chaque jour et ils violent les femmes devant leurs enfants ou ils obligent les enfants à violer leur mère. En plus des rebelles rwandais qui sont là, nous avons aussi d'autres groupes de rebelles qui sont venus de l'Ouganda après la chute du président Idi Amin Dada depuis plusieurs années, jusqu'à l'arrivée de Museveni. Et depuis, ils sont toujours là dans la forêt. Mais quand on a commencé à leur demander de retourner dans leur pays, ils sont devenus méchants et ils ont commencé à tuer les Congolais. Donc tous ces rebelles, ils ne tuent pas en Ouganda, les autres ne tuent pas au Rwanda, mais ils tuent les Congolais. À ce moment à présent,
Je peux vous dire, ce groupe rebelle ougandais sont en train d'égorger chaque jour, égorger la population dans mon territoire, dans mon village, à Bédi. Ils peuvent égorger 80 personnes, 100 personnes, 140 personnes, égorger. On vous ligote et on vous égorge un à un. Tu cries, on t'égorge jusqu'à terminer, on égorge un autre, on égorge un autre. Et tout le monde le sait. Nous avons une armée mondiale des Nations Unies. Depuis plus de 20 ans aussi, ils sont là. Un nombre, ils étaient à 20 000. Là, ils étaient en train de réduire les éléments. On ne sait pas combien ils sont restés. Mais depuis, ils sont venus. Il y avait peu de nombre de groupes armés. Ils n'étaient pas nombreux. Mais avec pendant qu'ils sont là, on voit le nombre des groupes armés augmenter au lieu de les réduire. Ils ont un gros budget payé par vous, tous les contribuables européens, américains, canadiens, pour la paix. Mais on n'arrive pas à avoir la paix. Ils ont des matériels pour combattre, mais ils n'arrivent pas. La mission n'arrive pas à imposer la paix. Ils ont changé plusieurs fois les mandats. Avant, c'était l'observation. Après, c'était il faut forcer, il faut imposer la paix. Après, ils ont maintenant des groupes de réaction, donc des forces qui doivent combattre. Mais tout cela n'aide pas. Parce que même dans leur camp, il y a des gens qui travaillent contre la mission, qui ont des collaborations avec l'ennemi. Dans notre armée aussi, en 2001, notre pays était divisé depuis 1996. Et puis en 2001, il y a eu une attente à Sand City. On a appelé ça dialogue de Sand City, en Afrique du Sud. Les rebelles et le gouvernement sont allés se rencontrer pour faire la paix. Et là, on a réunifié les pays. On a mis un président avec quatre vice-présidents. Et on a pris tous les rebelles, on les a intégrés dans l'armée. Et ça a complètement tué l'armée congolaise. Parce qu'après, tous ces rebelles sont restés rebelles dans l'armée et ils continuent à faire ce qu'ils faisaient comme rebelles dans l'armée. Et là, on a intégré les Rwandais, les Ougandais, ils sont devenus tous des Congolais. Parce que tous ces groupes armés sont instrumentalisés par le Rwanda et par l'Ouganda pour continuer à piller nos ressources. Si on voit aujourd'hui le Kigali s'est développé avec les ressources du Congo. Et tout le monde le sait. Ils n'ont même pas un morceau de coltan sous le sol. Mais ils sont devenus les premiers exportateurs de coltan. Parce que les coltans volés au Congo sont cachetés au niveau de certifiés au niveau du Rwanda et exportés. L'or volé au Congo, les cacao volés au Congo sont certifiés en Ouganda et exportés. L'Ouganda est devenu premier producteur de cacao et de l'or et plusieurs autres. Ils exportent les bois, ils coupent les bois, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Et nos populations sont poussées dans la ville, donc ne peuvent plus accéder à leurs champs. Je vous dis, dans le territoire de Beni, en Ituri, dans la province orientale, les provinces qui sont en frontière avec tous ces pays, nous vivons de nos champs. Nos pères, nos mères nous ont fait étudier par les produits des champs. Même moi, comme vous voyez là, j'ai un champ et je travaille au champ. Quand j'ai la possibilité d'aller au champ, si j'ai s'il y a la sécurité, je vais dans mon champ et je travaille. Mais là, on nous a privés de nos champs. On ne pouvait pas aller. Aujourd'hui, toute la population du territoire de Beni reste dans la ville. Le matin, ils vont un peu dans les villages. Le soir, ils doivent retourner. Ce n'est pas le village lointain, juste dans les quartiers périphériques de la ville. Parce que s'ils vont dans les villages, ils sont directement égorgés et tués.
Si vous voyez, vous visitez la région, vous allez voir beaucoup de villages sont vides de population. Parce que les groupes rebelles, ils entrent dans les villages tous les jours. Tous les jours. Ils n'attaquent pas officiellement. Ce n'est pas des attaques comme viennent combattre l'armée. Ils font des incursions, des guérillas dans les villages. Et quand ils entrent dans les villages, ils égorgent tout le monde. Ils emportent tout ou ils brûlent. Il y a même des malades qui ont été égorgés sur les lits des malades. Donc, aucun respect des droits humanitaires internationaux. Les chefs de tous ces groupes habitent dans les pays européens, américains, canadiens, à Grande-Bretagne. Leurs commandants, leurs dirigeants sont là, protégés. Quand on sait bien que ces gens ils sont en train de faire, de commettre des crimes de guerre et des génocides en RDC, on n'ose même pas dire que c'est le génocide. Parce que ma tribu, la tribu de Nandé, c'est cette tribu-là qui est exterminée par le groupe EDF. Tous les jours. Donc, ils ont bloqué toutes les routes. Il n'y a plus accès dans les territoires de Béni. Vous ne pouvez pas sortir des territoires de Béni. Ils ont brûlé récemment, la semaine dernière, plus de 14 véhicules avec des personnes dedans, avec les marchandises dedans. Ils ont emporté ce jour-là plus de 80 personnes. Il y a une soixantaine qui a pu se libérer quand l'armée est venue pour essayer de les combattre. Tout le monde sait. Et quand ils prennent des femmes, c'est pour en faire des esclaves sexuels. Nous avons beaucoup de femmes qui ont pu se sauver, qui sont rentrées, que Sophie Padi est en train d'aider pour s'en sortir. Il y avait une même dans la vidéo hier qui était là. Quand vous voyez une femme rentrer de là, elle n'a plus le visage humain. Tellement qu'elle a souffert sous le sol, parce qu'on creuse des trous et on les fait rentrer dans les trous comme des souris ou des rats. Les enfants sont kidnappés et sont directement utilisés dans les hostilités. On leur apprend juste d'égorger. Et toute personne qui est kidnappée est obligée d'être directement musulman. Si tu refuses d'être musulman, on te tue sur place. Donc c'est ça le contexte qui se passe en RDC. C'est tellement sombre et triste. Mais nous disons, nous ne baissons pas les bras, malgré tout ça. C'est chaque matin que nous nous réveillons pour nous battre contre ça. Nous n'avons pas des armes pour nous battre. Mais nous nous battons par les idées. Nous donnons les services aux victimes. Et nous continuons à parler, à dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Partout, chaque jour, on défile dans les avions. Avant la COVID, c'est chaque jour, je ne passais pas 2 semaines chez moi. Je vais partout où on m'invite pour aller parler de ce qui se passe. Pour que les gens ne disent pas, je ne savais pas. J'ai déjà été 3 fois au Conseil de sécurité. Je ne peux pas citer le nombre de fois que j'ai été au Conseil à l'Union européenne. Plusieurs conférences, j'ai fait. Nous écrivons aussi, nous envoyons des rapports. Mais la communauté internationale ferme les yeux autour de tout ça. Parce que ce sont leurs compagnies qui continuent à voler nos ressources et instrumentaliser ces groupes armés. Le Rwanda ne fabrique pas les armes. L'Ouganda ne fabrique pas les armes. Les armes viennent des usines. Ici et dans les pays occidentaux, pour amener en Afrique. Et tous ces dirigeants du monde, ils savent quelle compagnie produit quelle arme et va les vendre où et c'est quand que ça traverse pour arriver au Congo. Tout le monde le sait. Mais ils ne savent pas dire non parce que ces compagnies paient les taxes et ça consolide leur économie. S'il ne faut pas ça, l'économie va tomber. Et donc, quand ils organisent des rencontres pour dire au sommet pour mettre fin aux violences sexuelles faites au Congo, c'est juste se manquer de notre communauté. Comment ils vont mettre la fin aux violences sexuelles quand ils continuent à produire les armes et à les vendre aux groupes armés?
ils ne mettront jamais la fin. Quand leurs compagnies continuent à permettre, à instrumentaliser les groupes armés, à voler les minerais et à couper nos bois pour les récupérer, on n'arrivera pas à mettre fin. Donc on va arrêter de faire l'hypocrisie. Il faudrait que les gens prennent des actions concrètes pour arrêter, pour arriver à mettre fin. J'ai beaucoup aimé votre phrase quand vous avez dit on n'aura jamais la paix, on ne mettra jamais fin aux violences faites aux femmes s'il n'y a pas la paix, et il n'y aura jamais la démocratie et l'égalité s'il n'y a pas la paix. Donc, on a besoin de travailler sur la paix et travailler concrètement sur la paix. Et c'est ça ce que nous faisons. Nous faisons des recherches et actions participatives pour connaître les causes des conflits intercommunautaires. Nous faisons aussi des recherches pour savoir qui sont les acteurs de ces différents conflits. Et nous publions, nous partageons ces rapports avec tout le monde. Nous aidons, nous avons mis dans les communautés des groupes de dialogue pour que ces gens puissent travailler, parler entre eux, discuter, débattre des sujets qui les concernent et voir comment résoudre pacifiquement les conflits intercommunautaires. Mais nous ne pouvons pas résoudre les conflits armés. Là, ça nous dépasse. Mais malgré ça, il y a des femmes que nous avons financées, leurs organisations, qui rentrent dans les forêts pour sensibiliser les jeunes à quitter les groupes armés. Il y a d'autres qui passent des émissions pour sensibiliser les jeunes à quitter les groupes armés. Nous faisons notre part. Et nous pensons qu'il est important que la communauté internationale aussi fasse leur part. Ils sont responsables, ils connaissent d'où viennent les problèmes. Alors, comme on a dit, nous avons créé, avec mes sœurs, les autres femmes, l'organisation Sophie Paddy. Sophie Paddy travaille effectivement pour la paix et pour lutter contre les violences faites aux femmes, promouvoir les droits des femmes, impliquer les femmes dans les négociations de paix, conformément à la résolution 1325. Nous rencontrons beaucoup de femmes qui viennent vers nous. Depuis 21 ans, l'organisation Sophie Paddy existe. Nous avons actuellement un centre médical qui offre les services holistiques aux femmes victimes de violences sexuelles. Quand les femmes arrivent, elles sont complètement détruites. Mais avec l'accompagnement, le soutien qu'on leur donne, elles redeviennent des agents de changement. Elles participent dans la lutte. Elles parlent, elles contribuent à amener les autres survivantes à avoir le support. Nous avons les médecins qui sont toujours là pour aider ces femmes, pour offrir les services holistiques, les soins médicaux. Nous avons les psychologues qui sont là pour écouter et faire le soutien psychologique. Nous avons aussi les avocates, les femmes, qui sont là pour accompagner les victimes à justice. Et nous devons payer tous les frais. Donc c'est l'association qui paye tous les frais. Nous devons payer les transports pour que ces gens viennent de leur village pour arriver au centre. Parce que si elles viennent encore à pied, elles risquent de se faire attaquer en cours de route et encore être agressées. Ou quand elle doit rentrer dans son village, on doit lui payer le transport. Parfois, elle doit venir avec l'enfant. Elle doit venir avec quelqu'un pour l'aider. Donc, nous devons tenir compte de tout ça. En plus de cela, quand la femme est passée dans toutes les prises en charge, nous demandons qu'est-ce que tu peux encore faire. Si c'est une petite fille, elle dit, je vais étudier. Si c'est il y a des femmes qui disent, moi, je vais apprendre le métier. Et nous avons ouvert dans les villages des centres d'apprentissage des métiers pour que ces femmes puissent apprendre leur métier. Il y en a d'autres qui ont été détruits par les groupes armés, mais il y a d'autres qui continuent encore à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui apprennent la couture, il y a d'autres qui apprennent la fabrication des paniers, des matériels artisanaux pour vendre et avoir un peu de sous. Mais il y a d'autres qui disent, je veux un petit champ. Donc, on lui cherche un petit lopé de terre pour faire. Mais toujours, les groupes armés
quand ils attaquent, tout cela tombe. Je vais vous donner l'exemple de Léonie. Léonie a fait son champ de cacao. Elle a été violée 3 fois. Elle a été accompagnée par Sophie Paddy. Mais quand le cacao a commencé à produire, la guerre est arrivée dans le village où habitait Léonie. Aujourd'hui, Léonie a dû fuir encore et elle a tout laissé derrière. Léonie était dans ce village-là, activiste. Elle faisait des sensibilisations sur la paix avec les jeunes pour que les jeunes arrêtent de faire des crimes de violences sexuelles. Et les jeunes nous appelaient pour dire « Ah, on est ici avec maman Léonie, elle est en train de nous parler des violences sexuelles. Nous, on a compris, nous aussi, on nous sensibilise d'autres jeunes. » Mais aujourd'hui, elle est devenue encore déplacée. On doit tout reprendre. Elle nous a appelés, je suis ici, je fuis de justesse, je n'ai rien, aidez-moi si vous pouvez. Donc nous restons avec les victimes. Ils deviennent une partie de notre famille. Parce qu'il n'y a pas moyen de lui dire, voilà, c'est fini, on t'a déjà prise en charge pendant 3 jours, 3 fois, on vous a donné les soins, on vous a donné la prise en charge psychologique, on vous a accompagné à la justice, on vous a donné l'argent pour faire les activités. Mais elle dit, tout est parti. Est-ce qu'on va l'abandonner? Non. On l'approche, parce que sinon, elle va retomber dans la... elle va encore rechuter, il faut encore reprendre la prise en charge psychologique. Il y a des femmes qui ont eu la grossesse des viols. Nous devons les accompagner. Nous les accompagnons pendant la grossesse et même après la grossesse. Et quand elle accouche, nous payons tous les frais pour les enfants, pour que les enfants puissent continuer l'école. Nous faisons aussi... nous les regroupons en groupe de solidarité pour que ces enfants puissent arriver à les femmes et les enfants. Donc les parents échangent, ont leur journée de rencontres pour échanger. Les enfants aussi, on les regroupe pour faire des jeux ensemble pour se soutenir et avancer et dire non à ces crimes. Nous organisons des rencontres avec les magistrats et les juges pour que les gens puissent parler aux magistrats. Parce que souvent, chez nous, les magistrats sont des gens très élevés. La population ne peut pas les approcher. Donc, on essaie de les amener à la rencontre des survivantes pour qu'ils puissent écouter ce que les femmes disent et connaître le langage des femmes. Nous formons les magistrats sur la loi, sur les droits des femmes, sur la 1325. Nous formons aussi les chefs coutumiers, les leaders religieux, les jeunes, autour de toutes ces questions. Et même les victimes elles-mêmes participent aux formations. Comme ça, elles deviennent elles-mêmes des parajuristes, elles deviennent elles-mêmes des actrices dans la lutte. Donc, notre approche, c'est vraiment communautaire. Parce que nous savons, avec les crimes tels que ça se passe dans notre pays, nous ne pouvons pas juste soigner. Il faut prendre plusieurs approches. Et nous faisons beaucoup de sensibilisation dans les villages. Nous avons des émissions qui passent en langue locale pour informer la population sur les services, mais aussi les conséquences des crimes de violences sexuelles et ce que dit la loi si jamais quelqu'un commet les crimes de violence. On a vu aussi que pendant la COVID, les femmes ont été violentées parce qu'on a vu se développer les violences domestiques pendant que les gens sont restés en confinement. Les femmes devaient rester à la maison, les hommes aussi à la maison. Bon, il y a certains hommes qui pensaient que maintenant, ils vont rester abusés de leurs femmes par des rapports sexuels. Et quand la femme dit non, elle est battue. Quand la femme dit « je n'ai pas d'argent pour préparer à manger aujourd'hui, j'ai tout épuisé de ce que j'avais », elle est battue. Ou les enfants, c'est elle qui doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper du mari, elle doit s'occuper de tout le ménage et tout. En plus de tout ce qu'elle doit faire, elle doit encore s'occuper aussi de la famille du mari. S'il y a un malade, c'est elle qui doit aller faire la garde. De façon qu'il y a des femmes qui ont été contaminées. Quand on avait l'Ebola, beaucoup de femmes ont été contaminées et beaucoup sont mortes. Parce que nous sommes les gardes des malades, nous sommes les ménagères, nous sommes les épouses, nous sommes les instructrices des enfants, nous sommes tout. Et donc, on a commencé à dénoncer tout ça. On a passé des émissions à la radio, à la télé. On a passé des spots pour dire non
à ces crimes. Et présentement, Sophie Badi a lancé la campagne pour dire non aux violences domestiques. Nous sommes en train de faire de la documentation dans différentes provinces des cas pour nous donner un peu les éléments statistiques que nous pouvons apporter pour nous demander une loi contre les violences domestiques. Un jour, je suis allée, j'ai organisé une rencontre à Beni, dans le temps. J'ai invité les bourgmestres pour venir parler, pour leur parler de cette question, des violences domestiques. Et un bourgmestre m'a dit, mais madame, mais ce monsieur a donné la dot. Pourquoi vous allez dire qu'il a violé, sa femme? Il n'a pas violé sa femme, il a droit. Alors je lui ai dit, voilà, toi qui es censé protéger cette femme avec la loi, c'est toi qui dis que ce monsieur, il a loi s'il abuse de sa femme. Comment tu vas protéger les femmes? Donc on a un gros travail à faire pour sensibiliser, pour informer tous ces gens-là qui sont censés utiliser les textes de loi pour protéger les femmes. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Nous, on vient en appui à ce que le gouvernement devrait faire. Mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs années, 18 ans, l'ancien président était là, il n'y a presque rien qui a été fait. Vers la fin, il a finalement accepté que c'est vrai, les violences sexuelles existent, et il a nommé une représentante spéciale, Mme Mabunda, qui était très, très engagée dans la lutte. Elle était devenue même notre présidente dans le gouvernement, le mandat actuel. Elle est devenue la présidente du Parlement. Malheureusement, les histoires politiques, on l'a fait partir, mais elle est toujours engagée dans la lutte contre les violences sexuelles. Notre nouveau président aussi a nommé une conseillère spéciale pour lutter contre les violences sexuelles, Mme Chantal Moulop, qui a continué avec ce que Mabunda avait déjà commencé. Et on collabore bien avec le bureau, on partage les informations, on organise des rencontres ensemble. Mais le gouvernement, le président de la République aussi a lancé la campagne Tolérance Zéro contre les violences faites aux femmes. Et nous espérons, la ministre du Genre est en train d'implémenter les activités par rapport à cela. Au niveau du panel qui accompagne le chef de l'État à l'Union africaine, je suis experte en genre dans ce panel. Et nous avons, dans la vision de l'Union africaine, il y a vraiment des lignes claires de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est bien inscrit dans la vision et dans la planification 2063 de l'Union africaine. Et dans la vision du chef de l'État, il a aussi inscrit comme priorité dans sa mandature pendant sa mandature à l'Union africaine. Et à ce titre, il a organisé au niveau de... Il a organisé la conférence de Kinshasa. Nous avons organisé la conférence de Kinshasa. Et le président a pris son engagement. Les femmes ont fait la déclaration. Les femmes des différents pays de l'Afrique sont venues à Kinshasa pour parler de cette question de l'égalité du genre et des sexes au niveau de l'Afrique. Et nous avons un document qui est sorti de la déclaration de Kinshasa, sera un document qui sera adopté par les autres chefs d'État pour l'Union africaine. En plus de tout cela, dans tous ces discours, le président y parle de cette question des violences. Il veut bien lutter contre les violences sexuelles. Et nous l'accompagnons dans ces tâches-là. Voilà un peu ce que nous faisons comme organisation. Voilà, on fait beaucoup de plaidoyers au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, pour avoir des lois et des textes qui réprimandent, et aussi au niveau de la justice, vraiment, parce que nous savons, c'est la justice seulement qui va mettre fin à ces crimes de violences sexuelles si on arrête les auteurs. Mais il y a des auteurs qui se cachent au Rwanda, qui se cachent en Ouganda. Nous demandons à ce qu'au niveau régional, qu'il y ait une coopération judiciaire pour que ces gens-là puissent retourner au Congo et être jugés. À ce moment, tous les activistes sont en train de plaider pour avoir la commission justice, vérité et réconciliation, justice transitionnelle, pour que ça fonctionne, pour que la vérité soit connue. Il y a beaucoup de disparus en RDC. Donc nous avons des projets que nous voulons bien implémenter, et nous pensons que notre passage ici va nous aider à avoir des amis qui vont soutenir notre travail
et nous sommes à votre disposition pour des questions. Julienne, muchísimas gracias. Merci bien, Julienne. Merci bien de votre présence, de votre explication. Je suis convaincu que le public, ceux qui sont ici directement présents et ceux qui sont dans le monde virtuel, qui nous suivent à travers le canal de YouTube, auront beaucoup de personnes de questions. Alors, ceux d'entre vous qui avaient des questions, et qui, ceux d'entre vous qui sont à la salle, vous pouvez poser vos questions avec ce microphone. Et ceux d'entre vous qui nous suivent de façon virtuelle, vous pouvez poser vos questions et on les lira avec ce même microphone. Alors, voyons voir quelles sont les questions que vous avez pour Madame Julienne Lussange. Est-ce que vous avez des remarques à faire, des questions à poser? Présentez-vous, s'il vous plaît, avec votre nom. Oui, bonjour. Je m'appelle Maria Ilelia. Je suis je fais recherche à la culture de la paix et je suis membre de WILA. Je suis très content de pouvoir partager donc cette séance avec vous. Merci bien d'avoir organisé cet événement. Et je vous félicite de ce prix, Madame Lussange. C'est très important pour vous, mais pour toutes les femmes du monde, parce que le fait qu'une femme reçoive ce prix, c'est une reconnaissance à la lutte que toutes les femmes mènent, parce que ça reconnaît le travail que nous faisons toutes. Hier, vous avez parler de la reconnaissance de toutes les femmes qui travaillent de façon quotidienne pour la paix dans leur communauté à la République démocratique du Congo. Mais je voudrais aussi vous poser une question. Une question sur le travail qu'on a fait dans le domaine public, dans le domaine politique, pour exiger la participation des femmes dans les négociations de paix dans votre pays. Et aussi pour intégrer la violence sexuelle comme un sujet donc des activités de paix, non seulement comme un sujet de politique publique, mais aussi comment est-ce qu'on peut discuter sur ce sujet avec les acteurs armés qui sont les protagonistes du conflit. Et finalement, je voudrais aussi vous poser une question sur votre avis sur l'utilité des résolutions 1625 et les autres résolutions sur la paix et la sécurité. Parce que nous savons que ceci a été très important pour tous les mouvements féministes pour la paix. Mais il y a eu aussi des critiques. Et je voudrais savoir, dans le contexte de la RCD, comment est-ce que vous considérez la RDC? Est-ce que ça a été utile pour promouvoir votre travail ou si, au contraire, vous avez une vision plus critique? Merci bien, Julienne. Merci pour les questions. En fait, c'est vrai, hier j'ai dit, ce prix, ce n'est pas seulement pour moi, Julienne, c'est pour toutes les femmes qui luttent au quotidien pour la paix. Toutes ces héroïnes qu'on ne voit pas, qui sont mortes ou qui sont encore vivantes, mais qui travaillent pour la paix dans le monde entier et en RDC. Donc, c'est très important ce prix pour nous et c'est le prix des femmes. Et je peux vous dire que depuis hier, quand les femmes ont vu ça, les femmes congolaises ont envoyé beaucoup, beaucoup de messages et beaucoup de remerciements à ICIP par rapport à ce prix. Pour la participation des femmes dans les négociations de paix, oui, chaque fois que j'étais dans le conseil de sécurité. Je suis allée, ils m'ont déjà invité 3 fois. Et moi, j'ai toujours été claire. Ça ne sert à rien de continuer à m'inviter, moi,
pour venir parler des atrocités quand on ne fait aucune action concrète pour mettre fin à ces crimes. Et on n'a pas besoin d'autres résolutions. On en a déjà trop. On n'a pas besoin de résolutions. On veut voir ces résolutions agir et mettre fin aux hostilités dans notre pays, aux conflits à travers le monde. Si je prends la résolution 1325, qui reconnaît la participation des femmes dans les négociations de paix, les Nations Unies elles-mêmes ne respectent pas ces résolutions. Je vais vous donner un exemple avec la guerre des M23 au Congo. Quand la guerre a éclaté, quand finalement on a fait pression sur le Rwanda a baissé les bras et finalement la guerre s'est arrêtée. Et là, il fallait maintenant négocier. Et chaque fois les négociations, c'est toujours entre le groupe armé et le gouvernement. Et les femmes ont été constituées, hein, les femmes du Nord Kivu se sont levées et se sont constituées et dit « nous voulons participer à ces négociations, à tant que groupe de femmes ». Parce que nous ne sommes ni pour le gouvernement, nous ne sommes ni pour le groupe armé. Mais vous savez ce qu'on leur a dit? Non, pour cette négociation, nous reconnaissons deux parties. Il y a la partie gouvernementale et la partie groupe armé. Donc, vous devez vous placer dans l'une des parties. Et les femmes ont dit non, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Mais on ne les a pas prises en compte. Les femmes sont restées dehors, elles ont fait du bruit là dehors. Elles sont parties elles-mêmes, elles se sont débrouillées pour partir à Kampala pour chercher à entrer dans la salle. Mais on ne les a pas fait entrer. La résolution 1820, j'ai été invitée au Conseil de sécurité pour aller parler aux membres du Conseil de sécurité pour intégrer la question de paix. La question des violences sexuelles dans la mission de la paix. J'en ai parlé. Et finalement, la résolution a été adoptée. Parce que c'est lié avec les violences sexuelles. C'est lié, les viols utilisés comme armes de guerre. C'est lié avec les conflits. Donc, on doit aussi, les missions de la paix doivent travailler là-dessus. Mais depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qui a changé? Depuis que la résolution est là, qu'est-ce qui a changé? Ils font des petits projets, ils sont devenus comme nous, les organisations. On fait une formation ici sur les violences sexuelles, on fait une formation là sur les violences sexuelles. Au lieu de s'attaquer aux causes, le conflit, et mettre fin au conflit. Donc pour nous, les résolutions qu'on amène combien, on n'en a plus besoin. On veut voir les choses concrètes. Comment les femmes peuvent aller dans rencontrer les groupes armés et tout ça pour la paix. Je vais vous donner l'exemple d'un groupe, parce que comme je vous ai dit, le Fonds pour les femmes congolaises, nous mobilisons les ressources, nous donnons des formations aux organisations, aux groupes de femmes, des petits groupes dans les communautés, pour que ces groupes puissent faire le travail. Parce que pour nous, Sophie Badi seule ne peut pas faire la tâche d'huile pour continuer à avoir des résultats. Et c'est comme ça que nous avons créé cette deuxième organisation. Alors, le Fonds pour les femmes congolaises a financé une organisation à Rutshuru. Cette organisation, donc quelques groupes de femmes, c'était 4 ou 5 organisations. Elles se sont mises ensemble à Synergie. Et à Synergie, elles ont commencé à passer des messages pour la paix. Elles ont fait des formations des membres des communautés. Elles ont organisé des dialogues intercommunautaires pour que les gens se parlent, pour que les gens puissent commencer à s'accepter. Et ça a commencé à marcher. On a ouvert le marché qui était fermé parce qu'il y avait cette tribu ne peut pas traverser de ce côté pour aller au marché. Sinon, directement, il est tué de ce côté-là. Si quelqu'un d'ici quitte ici pour aller là-bas, il est tué de ce côté-là. Donc, après le travail que les femmes ont fait au niveau des communautés, les gens ont commencé à se visiter, les gens ont commencé à aller au marché, aller à l'église sans problème et rentrer. Après, les femmes ont commencé à passer des messages dans les radios locales, en langue locale, pour inciter les jeunes à quitter les brousses et revenir. Et il y a des jeunes qui... Donc les femmes laissaient les numéros de téléphone. Vous pouvez nous appeler sur tel numéro. Et les jeunes appelaient. Dis-moi, je suis partie dans le groupe armé parce que j'avais pris des dettes au niveau de la coopérative
Et mon entreprise n'a pas fonctionné, on m'a pillé, j'ai tout perdu. Donc j'ai eu peur qu'on prenne ma maison à cause de cette dette. C'est comme ça que je suis venue me réfugier dans les groupes armés. Qu'est-ce que je vais faire? Si je sors, la coopérative va prendre ma maison. Et les femmes les rassuraient, disent vraiment, viens, nous on va t'accompagner devant la coopérative. Et quand le jeune venait, on l'amenait au service de sécurité, on dit voilà, le jeune est rentré, il faut le laisser. Et on le présentait à la communauté, oui c'est notre enfant, il a commis des crimes, mais là il vient, il faut l'accueillir. Et après on allait à la coopérative, les femmes allaient avec le jeune à la coopérative pour lui dire voilà, il a pris des dettes, il voulait fuir, il est allé se cacher dans la brousse avec les groupes armés, est-ce que vous pouvez accepter que vous puissiez revoir la modalité des remboursements, lui donner un peu plus de temps, le temps qu'il puisse se retrouver, se reclasser pour payer cela. Et ça fonctionnait. Il y a plusieurs jeunes qui ont quitté la brousse pour venir rentrer au village. Les jeunes sont allés voir le fameux Kunda Batware. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce rebelle qui se cache aujourd'hui au Rwanda, qui a fait plusieurs guerres en RDC. Il est vraiment rwandais, mais il était congolais, mais il est devenu encore rwandais. Les femmes ont demandé de le rencontrer, tellement que son groupe faisait des violences. Les femmes ont dit, on doit aller le rencontrer. Il a accepté que les femmes puissent aller le voir. Les femmes ont demandé d'autorisation aux autorités locales. Les femmes sont allées. Il y a une qui me racontait, quand elles sont parties là-bas, elles ont rencontré Kunda Batware. Et il y avait une des femmes, Liberata, quand elle a vu seulement Kunda Batware, un type mince s'est lancé là. Alors, Liberata, quand elle ouvrait les yeux, regardait Kunda, elle dit, c'est toi! C'est toi qui nous fais souffrir! C'est toi! Elle tombait évanouie. Après, elle va se réveiller. Si elle voit encore Kunda, elle dit, c'est toi qu'on appelle Kunda. C'est toi vraiment qui nous fais souffrir comme ça. Pourquoi tu nous fais souffrir comme ça? Elle tombe évanouie. Le groupe de Kunda voulait l'arrêter. Kunda dit non, laissez-la. Mais les autres femmes ont pris leur courage pour lui parler et lui dire, tu as déjà fait trop de violences pour des innocents. Tu tues les femmes, tu tues les enfants, tu violes, ton groupe est en train de violer chaque jour. Nous venons te dire, retourne au village. Arrête ce que tu es en train de faire. C'est mieux de rentrer. Alors qu'est-ce que lui dit aux femmes? Il dit, moi aussi je suis fatiguée de rester ici. Je voudrais bien retourner au village. Mais allez dire au président Kabila que moi, Laura Kunda, je voudrais rentrer au village. Alors, les femmes ont dit, ok, on lui apporte le message. Les femmes sont rentrées à Rutshuru. Rutshuru, c'est un des territoires du Nord Kivu. Les femmes ont cotisé elles-mêmes. Elles sont allées à Goma. Deux femmes sont parties à Kinshasa avec le message. Arrivées à Kinshasa, elles ont demandé des audiences pour être reçues par Kabila. Elles ont dit le motif. Au lieu de les recevoir, le président Kabila les a fait arrêter. Le service de sécurité les a arrêtés et on les a classés on les a mis en prison sous le sol. Il fallait l'intervention des membres des communautés qui étaient des ministres, qui étaient des parlementaires, qui étaient ici, pour les faire sortir de là et les faire fuir pour qu'ils rentrent à Goma. Mais cela n'a pas suffi pour décourager les femmes. Les femmes ont continué à organiser leurs réunions. Ils ont continué à faire les plaidoyers. Alors, avant que Kabila ne quitte le pouvoir encore, une d'elles, toujours la Liberata, elle a demandé encore des autorisations. Elle est partie avec son groupe pour aller rencontrer les groupes armés qui sont en train de tuer encore, toujours dans les Rutshuru là-bas. Et ce jour-là, il y avait des journalistes britanniques qui étaient venus aussi. Alors, elle est partie, elle a informé qu'elle est partie avec tous ces journalistes aussi. Ils sont partis, ils ont rencontré des jeunes, ils ont parlé avec les jeunes. Il y avait au moins 150 jeunes qui étaient prêts à quitter la brousse et revenir. Mais quand ils revenaient de là, on les a arrêtés.
Les journalistes, on les a fait laisser partir parce qu'ils étaient des blancs. Ils sont partis. Mais Liberata a été arrêté, conduit Manu Manutari à Kinshasa et directement sous la terre. Elle a fait 6 mois dans le cachot là-bas. J'ai essayé de faire des plaidoyers, tout ça. On lui a demandé avec qui tu travailles. Il dit, je travaille avec maman Julienne. J'appelle le chef de l'agence de renseignement qui me dit, n'ose même pas mettre ton doigt dans ce dossier. C'est un dossier très dangereux. Moi, j'ai dit, mais dangereux, qu'est-ce que cette femme fait? Nous, on travaille avec elle sur la paix. Nous, on la connaît comme activiste de la paix. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle doit subir tout ça? Elle était malade là-bas. Elle est diabétique. Elle était malade. Elle avait l'hypertension. Il y avait des moments où elle est tombée évanouie, mais personne ne pouvait la soigner. Elle était toujours là. Mais heureusement, j'ai pu avoir l'invitation du conseil du comité des droits de l'homme à Genève. Et quand je suis partie à Genève, j'avais le ministre des droits humains avec moi, sur le panel, comme ça, à côté de moi. Et j'ai profité de ce moment-là pour dire aux membres du comité, voilà ce qui se passe avec Liberata. Elle est arrêtée, ça fait 6 mois, seulement parce qu'elle est allée sensibiliser les groupes armés pour quitter la brousse. C'est comme ça qu'on a posé la question au ministre. Et le ministre qui promet, voilà, dès mon retour, je vais aller chercher la situation, je vais aller voir mon collègue et je vais voir ce qui se passe. Et c'est comme ça que Liberata a été libérée. Elle est rentrée à Goma. Donc il y a des femmes courageuses qui savent, il faut que ces gens quittent là-bas. Une fois, je suis allée à Kigali, j'ai rencontré les sénatrices rwandaises et les députés. Je leur ai dit, nous devons faire tout pour faire sortir les femmes et les enfants auprès des génocidaires. Il faut que leurs femmes rentrent ici au Rwanda. Parce que si les femmes rentrent au Rwanda, les hommes vont les suivre. Ça va s'arrêter. Mais ces jours-là, les amis avec qui j'étais croyaient que je n'allais même pas sortir du Rwanda. Parce que les femmes, les députés, les sénatrices se sont énervés. Ils ont dit non, 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 ça ne peut pas se faire. Ce sont des criminels, ça ne peut pas venir chez nous. Mais ça va aller où? Parce que ça ne peut pas venir chez vous. Ce sont des Rwandais qui sont là. Il faut qu'ils rentrent. Les enfants qui sont nés aujourd'hui, on les considère des génocidaires. Pourquoi? Il faut qu'ils rentrent au Rwanda. Donc, s'il n'y a pas une action forte pour demander à tous ces gens-là de rentrer, et le Congo doit s'occuper de ces groupes armés, on n'arrivera pas à mettre fin et construire la paix au Congo. Il faut que les groupes rwandais rentrent, il faut que les Ougandais rentrent, et nous, on s'occupe de nos groupes armés qui sont chez nous. Et les entreprises ici, il faut que les pays partout, quand je dis ici, je ne parle pas de Barcelone, je parle de tous les pays occidentaux, je parle aussi des Canadiens, je parle des Américains, des Britanniques et tout. Toutes ces compagnies, ils doivent, les gouvernements doivent leur dire d'arrêter. Il y a des lois. Il y a des lois qui, d'exploitation minière, certification, nanana. Mais ces lois ne sont pas respectées quand ils sont chez nous. Ils les respectent quand ils sont dans leur pays. Et les pays ne demandent pas, ne vérifient pas si vraiment ces compagnies font la même chose quand ils sont dans les pays où ils exploitent les minerais. Parce qu'il y a beaucoup d'abus qui se commettent dans notre pays. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Julien. J'ai préparé ma question en français. Je vais parler en catalan tout de même. Je m'appelle Josep Ramon Jiménez, je suis responsable du projet Congo NOCU de la Ligue des droits des peuples. Et je voulais vous poser une question. Vous avez beaucoup parlé du conflit, des problèmes, de l'extraction des ressources qui porte ce conflit. Vous avez parlé de votre travail et je vous félicite. Mais il y a deux sujets que je voudrais donc remarquer. Premièrement, l'axe de la sensibilisation, de faire connaître
aux femmes leurs droits. Parce que dans les régions rurales, les femmes n'ont aucune idée des droits qu'elles ont. Et une femme qui n'a aucune connaissance sur ses droits ne peut pas les défendre. Elle ne sait quoi faire. C'est très important. Un autre aspect qui est relié avec le conflit, relié au conflit, à la violence en général, c'est la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté Le fait de la pauvreté fait que la personne soit déjà une victime du fait qu'elle soit pauvre. Et au Congo, ceci est très important parce que pensez-vous sur le modèle de développement au Congo? Parce que peut-être vous pourriez casser le modèle néolibéral qui a été porté par les pays du Nord, les pays du Nord économique. Et c'est le modèle néolibéral, celui qui est en train d'être exécuté au Congo. Pensez-vous à un modèle endogène, c'est-à-dire donner priorité à la coopération entre Sud et Sud, avec d'autres pays de l'Asie, de l'Amérique latine et d'autres pays africains? Il faut penser aussi à l'interaction régionale entre les propres pays africains. Que pensez-vous sur tout ceci? Merci. Oui, en fait, c'est clair. Quand on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas les défendre. Et nous, comme organisation, nous travaillons vraiment dans les communautés. Nous travaillons dans les villages. Je ne sais pas si vous étiez au Parlement hier, vous alliez voir. Nous, on travaille avec les pygmées, on travaille avec les gens vraiment dans les villages. On n'est pas une organisation qui est basée en ville. Je ne suis pas une femme de ville. Je vis avec, dans les villages, je vis partout, je m'adapte à toutes les situations. Donc, comme j'ai dit, mon travail a commencé à la radio. Et dans la radio, j'allais dans les villages, j'ai resté trois jours, quatre jours, j'ai sillonné les villages pendant trois semaines, quatre semaines, d'un village à l'autre, pour vivre avec la population, les écouter, parler avec eux, manger avec eux, dormir sur les pailles où on me met à dormir, j'ai dormi. Parfois, j'ai dormi sur les sticks d'arbres. J'ai dû pousser des véhicules quand nous sommes embourbés dans la boue. Et plusieurs fois, on est tombé. Quand on n'avait pas de véhicule, on allait à moto. Et parfois, on tombait à moto. Et puis, avec celui qui conduit la moto. Et là, je devais soulever la moto pour que le chauffeur puisse enlever son pied. Donc, nous, on connaît et on fait tout de notre mieux pour atteindre toutes les femmes où elles sont. Et je peux vous dire, partout où nous travaillons, même les femmes pygmées, ils savent que s'il y a un cas de viol, il faut que le monsieur soit condamné de 5 à 20 ans. Ça, elles viennent elles-mêmes en train de crier. Il a violé, il doit être condamné. Nous avons accompagné les femmes pygmées pour être aussi, participer aux élections locales. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les élections locales ne sont pas organisées. Nous avons même mis en place des programmes d'alphabétisation pour les femmes pygmées, pour qu'elles arrivent à savoir lire et écrire. Malheureusement, elles n'arrivent pas à terminer, vous savez, avec les pygmées, elles sont tellement... donc, elles ne peuvent pas rester pendant six mois dans le même endroit. Elles veulent toujours partir. Parfois, elles vous disent, maintenant, c'est la période de chasse ou d'aller chercher le miel. Nous devons aller. Donc, vous dites, OK, on arrête alors les cours, vous allez d'abord chercher le miel. Après, quand vous reviendrez, on va reprendre. Quand elles reviennent, vous dites, bon, est-ce qu'on peut reprendre, les cahiers sont là? Elles disent, on a fumé avec. Donc, vous devez acheter d'autres cahiers et vous devez reprendre à zéro parce qu'elles ont déjà oublié tout ce que vous les avez donné comme information. Mais cela ne nous décourage pas, on les invite toujours à participer dans les réunions partout avec nous.
Donc c'est vrai, nous faisons de notre mieux pour adapter les messages au niveau des populations dans leur village. Et nous avons formé les femmes dans les villages. Quand je vous parle des groupes que nous mettons dans les villages, c'est vraiment les villages, ce n'est pas les grandes villes, c'est vraiment les villages. Et je suis convaincue pour moi, si on donne les services de base à la population, on va lutter contre les violences basées sur le genre. On va lutter contre les violences sexuelles, parce que nous en avons l'exemple. Hier, j'ai donné un exemple dans un village. Pardon. Les femmes sont venues nous voir pour dire nous sommes violées parce que nous nous réveillons à 2 heures du matin pour aller chercher de l'eau. On reste là-bas jusqu'à 11 heures pour retourner chez nous, dans la maison, pour celles qui rentrent. Mais il y a d'autres qui sont kidnappées là-bas, d'autres sont violées là-bas. Et nous-mêmes, nous nous battons autour des sources d'eau parce qu'il n'y en a pas assez. Chacune cherche à prendre avant l'autre pour avoir de l'eau. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider, toujours dans le cadre de votre programme de lutte contre les violences faites aux femmes, nous donner de l'eau? Nous sommes allés vers notre bailleur de fonds, la Fondation OCH, qui est basée à Genève, et ils nous ont donné ils nous donnent le corps support, donc le fonds global, et nous orientons les fonds vers les besoins exprimés par la population. Et donc nous avons mis 45 000 pour faire ce travail. Et avec 45 000, nous avons pu faire le forage et nous avons canalisé l'eau dans 8 quartiers. Pour la première fois, les femmes ont vu les robinets dans leur village. Et aujourd'hui, la question de se réveiller le matin, la nuit pour aller chercher de l'eau très loin dans la forêt n'existe plus. Les femmes ont de l'eau et nous avons formé le comité de l'eau constitué des femmes et des hommes du village qui gèrent l'eau et qui donne le programme de 6 heures à 10 heures. Les gens viennent puiser et puis de 15 heures à 18 heures, on donne encore de l'eau. Et ça a aidé et ça a calmé tout ça. Et puis même les maladies diarrhéiques, les typhoïdes et tout ça a baissé dans le village. Donc c'est très important qu'on donne les services de base. Dans d'autres endroits, nous avons comme fonds pour les femmes congolaises financé la construction des biogaz. Les biogaz, c'est construit avec les bourses des animaux. On ramasse les bourses et puis c'est ça qui donne l'énergie. Et l'énergie produite par tous ces matériels sont utilisés par les femmes pour avoir la cuisson. Donc les femmes ne vont plus couper les bois ou bien faire des braises pour avoir l'énergie pour préparer. Ils ont maintenant une bonne cuisson sans fumer avec l'énergie produite par les biogaz. Et aussi, en plus de ça, les femmes ont l'énergie, la lumière, comme ça, la maison est éclairée et les alentours de la maison est éclairée. Aussi, les déchets produits par les biogaz sont utilisés comme des engrais pour les jardins potagers. Et le village reste propre. Parce que même si les animaux circulent dans les villages, comme les femmes ramassent tout ça pour maintenant mettre dans les biogaz pour produire l'énergie, le village reste propre. Donc, si on donne des services de l'énergie, de l'eau, les centres médicaux ont construit, ça va beaucoup aider les femmes à sortir et ça va aider à lutter contre toutes ces violences faites aux femmes. Et ça va réduire les charges. Le travail que les femmes ont toujours, chaque matin et chaque jour. Donc c'est vraiment un modèle qu'il faut mettre dans les villages. Je voudrais aussi dire, avec le programme de l'Union africaine, comme je vous ai dit, maintenant la RDC a le mandat de l'Union africaine, notre président, il est aussi président de l'Union africaine. Avec cela, nous, en tant que membres du panel, nous sommes 5 dans le panel. Et dans les 5 personnes, nous avons celui qui s'occupe du thème principal de cette année, art, culture et patrimoine. Nous avons une autre personne qui s'occupe de la jeunesse, innovation, technologie. Une autre personne qui s'occupe de la ZELCAF, donc la zone de libre-échange. C'est notre président qui a finalement mis en place, parce que c'était déjà des propositions, mais avec cette mandature, le président a
a proclamé la libre échange. Et notre pays a adhéré, comme les autres pays, il y a déjà 22 signatures. Il est en train de faire des sensibilisations des autres présidents pour qu'ils signent, qu'on arrive à 34, pour que les documents soient maintenant un document officiel de libre-échange au continent africain. Et dans notre mandature, nous sommes en train d'encourager fortement la coopération sud-sud, la coopération régionale, toujours dans le cadre de la ZELCAF. Encore, moi, je suis spécialement en charge de genre, violence faite aux femmes, femmes et paix et sécurité. C'est ça le travail que j'ai fait auprès du président dans sa mandature de l'Union africaine. Donc, tout ce qui concerne ce sujet-là, je dois apporter des éléments de langage, je dois lui donner des informations par rapport à cela. Et je m'appuie sur mes réseaux de féministes pour m'aider dans cette charge. Il y a aussi une autre personne qui s'occupe de la santé, de l'aide humanitaire, donc de toutes les questions humanitaires, du changement climatique et tout. Voilà le travail que nous faisons à ce niveau-là. Donc nous sommes conscients qu'il nous faut maintenant la coopération sud-sud qui se développe. Il y a la réforme de l'Union africaine qui est en cours autour de ces questions pour qu'on développe un peu plus. Et le président voudrait même qu'il y ait des vaccins qui soient fabriqués en Afrique pour que nous ne soyons pas trop dépendants des autres. Parce que c'est toujours, on a vu ça avec la COVID, tout le monde alimentait d'abord son pays avant de faire la solidarité avec les autres. Donc pour nous, c'est tout à fait normal. C'est très important qu'on fasse cela. Mais ce que je vais dire par rapport à la coopération avec les Asiatiques et tout, c'est que nous vivons avec les Chinois, ne nous encourage pas du tout. Parce que comme j'ai dit, ils sont en train de faire des violations massives des droits humains. Là où ils exploitent. Et ils exploitent illégalement. On a trouvé un groupe de Chinois qui sont entrés très loin, ils ne sont même pas à la frontière avec l'Ouganda, ils sont rentrés très loin dans la province orientale. Et à 5 jours, ils ont dévasté une grande surface de forêt, coupé tous les arbres pour chercher les minéraux. Hein? Donc, quelle coopération on va faire avec des gens comme ça? Nous voulons bien faire la coopération, mais nous voulons avoir qu'on nous respecte, qu'il n'y ait pas de coopération lyonnaise, des contrats lyonnais. Nous ne voulons pas ça, parce que même les compagnies qui viennent des pays européens ou des pays américains, britanniques, canadiens et tout ça, ont signé des contrats lyonnais avec notre pays, de façon que la population ne bénéficie pas des ressources. Nous produisons 80% de cobalt. Donc, toutes les voitures électriques, le Congo produit 80% de cobalt. Mais il faut voir les villages d'où viennent ces cobalt. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Les femmes accouchent encore sur la terre, par terre comme ça. Hein? Là où on prend les coltans pour avoir tout ce que nous voulons toujours avoir avec nous, les ordinateurs et tout. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a rien. Donc, quand le gouvernement, par exemple, l'actuel président, lui, il veut qu'on puisse revoir tout ça pour que ce soit des contrats gagnants-gagnants. Mais qu'est-ce que nous voyons? Le défilé diplomatique. Si seulement on ose toucher à ces contrats, on voit tout le monde défiler, tous les pays défiler pour venir protéger les entreprises. Mais alors, est-ce qu'on travaille pour les droits humains? Ou c'est d'abord les intérêts économiques qui sont supérieurs aux droits humains. C'est ça l'affaire. Hein? Donc nous voulons que votre solidarité nous aide de ce côté pour porter ces questions. Il faudrait que de votre côté, qu'il y ait des organisations aussi qui regardent et qui surveillent le gouvernement dans tout ça. Quelles sont les relations avec les entreprises? Comment on soutient les entreprises qui vont investir, qui soi-disant investir, mais en réalité, ils vont juste piquer et revenir avec les minéraux, sans rien laisser pour les Congolais qui vivent là-bas. Nos enfants n'étudient pas dans de bonnes conditions, les gens ne mangent pas, il y a la pauvreté, il y a la famine. Dans des pays aussi riches, bien sûr, il y a la corruption de certains Congolais.
Nous dénonçons cela. Il y a des organisations maintenant, les mouvements citoyens, des jeunes vraiment qui sont engagés pour dénoncer tout ça chaque jour. On les frappe, on les arrête et tout ça, ils n'arrêtent pas, ils continuent toujours à dénoncer et à dire non. On ne peut pas continuer dans ce sens. Donc nous faisons ce que nous pouvons, mais je sais que ce n'est pas assez. Nous voulons que ça s'arrête. Nous voulons que nous comptons sur votre solidarité. Merci. Merci, Julien. Merci, Julienne. C'était une des questions que nous avions de Conchi Pérez, qui est la personne responsable d'égalité dans le TIR. Elle demande comment pouvons-nous vous aider, Julienne? Dites-nous, comment pouvons-nous vous aider? Alors, il y a une autre question, deux questions en même temps. Et il faut finir à 7 heures. Alors, Julienne, si vous pouvez répondre aux deux questions en même temps. Alors, allez-y, posez votre question. Premièrement, merci Julienne de votre présentation et on est très content de ce prix qu'on vous a donné. J'avais deux questions, mais je vais poser seulement une question, étant donné que nous n'avons plus de temps. Votre lutte infatigable, Julienne, avec d'autres activistes comme Danis Mukwege, Kalyan Zuba et d'autres voix anonymes, plus ou moins anonymes, vous avez visibilisé la violence sexuelle à la République démocratique du Congo depuis longtemps. Il y a des organisations internationales qui essayent de faire visible le rôle joué par les ressources naturelles dans la perpétuation des conflits armés au Congo. Mais quelquefois, il faut comprendre qu'un conflit, avec la complexité que vous avez, il y a d'autres facteurs. Et ces autres facteurs, souvent, n'ont pas une présence ni dans les discours, ni dans les médias. Comme par exemple, les conflits fonciers, la chute de la gouvernabilité du pays, non seulement depuis il y a 20 ans, mais depuis donc la période coloniale, l'échec de la réforme du pays. Il y a d'autres fronts où la communauté internationale a une responsabilité, mais aussi les acteurs locaux, les acteurs nationaux ont une responsabilité. Les partis politiques qui ont gouverné le Congo depuis les derniers processus électoraux. Et je relie ceci à ma deuxième question, qui est reliée à la première. À partir de 2015-2016, nous avons une mobilisation sociale très importante pour éviter que M. Kabila puisse accéder à un troisième mandat. Depuis cette mobilisation sociale, il y a eu des mouvements de femmes et d'autres mouvements sociaux, et en même temps aussi beaucoup de leaders politiques qui représentent la vieille politique masculine traditionnelle au Congo. Il y a eu du changement au Congo. Les élites ont changé, mais ce changement d'élite, c'est une nouvelle politique pour mener à bien la vieille politique. Martin Fayoulou, Jerry Magumba, ils représentent aussi l'ancien régime d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a un changement véritable entre les élites? Est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs politiques qui puissent faire fin à ce manque de gouvernabilité à la République démocratique du Congo? Merci. Je sais que ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une autre question là-bas. Là-bas. Merci, je m'appelle Damaris, je travaille en coopération de FAMA. Je voudrais faire deux commentaires. Vous voulez des actions spécifiques, concrètes? Alors, vous avez reçu un prix du gouvernement de la Catalogne. Vous pouvez être la porte-voix dans d'autres gouvernements. Et des actions spécifiques. Les achats publics doivent être bien surveillés, c'est-à-dire il faut faire de la recherche sur qu'est-ce que font les entreprises
qui vendent de la technologie aux institutions publiques pour garantir qu'ils ne sont pas en train d'utiliser les ressources des Congolais. Et au mois de juillet, ici en Catalogne, nous avons approuvé la création d'un observatoire de sociétés internationales et droits de l'homme que le gouvernement devra entamer. Et nous voudrions que ceci commence à travailler pour garantir que les gouvernements du Nord puissent défendre les droits de l'homme au Congo et dans d'autres pays. C'est tout. Merci. Je m'appelle Raphaël Crespo. Je viens du... À suivre votre lutte. Et dans la fallait, c'est un lycée par... Et je voudrais féliciter l'ICIP. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités, d'occasions de pouvoir avoir une communication directe avec des personnes activistes qui viennent de l'Afrique. Vous avez parlé du fait que vous travaillez avec des communautés depuis une perspective communautaire. Et nous voudrions savoir quelles sont les valeurs africaines locales qui étaient à la base de votre travail. Nous avons besoin de connaître quelles sont les bases locales, culturelles, sociales, les techniques que vous utilisez pour travailler pour les droits des femmes et aussi pour la culture de la paix. Merci. Je m'appelle Thelia Murias d'Africa Edit. C'est un grand plaisir de vous avoir écouté, Julienne. Je voulais vous poser une question, Julienne. Pendant toutes ces années de conflit, il y a eu un grand effet en ce qui concerne la masculinité. Comment les hommes expriment leur virilité et avec le degré de violence générale, non seulement les groupes armés, mais aussi dans le contexte général. Et je voulais relier ceci pour vous poser une question. Comment est-ce que vous travaillez d'un point de vue spécifique avec les hommes pour qu'ils changent leur vision de la virilité d'un point de vue structurel? Et en même temps, je pensais... Vous êtes en contact avec des organisations de femmes, par exemple dans l'Amérique du Sud. Elles ont fait beaucoup de travail avec des différents outils qui sont très proches de leur culture, de justice transitionnelle, de guérison communautaire entre les femmes. Est-ce que vous êtes en contact avec quelques-unes de ces femmes de l'Amérique du Sud ou est-ce que vous avez vos propres outils? Merci. C'est pas facile. Je vais m'excuser. Parce que c'est trop de questions. Mais bon, je vais essayer de récupérer. Bon. Je vais d'abord commencer par la mobilisation qui a été menée pour que le président Kabila arrête son ambition de continuer. Ça, c'est beaucoup de jeunes qui ont travaillé, des femmes qui ont travaillé pour ça, et on a eu beaucoup de soutien aussi de l'extérieur qui a finalement baissé les ambitions de Kabila. Mais nous savons tous ce qui s'est passé pendant les élections, donc on continue. On ne peut pas avoir un changement radical après juste 2 à 3 ans. Après 18 ans, plus 32 ans, donc Mobutu a fait 32 ans de dictature. Après 32 ans de dictature, nous avons eu le Kabila père, qui est venu aussi de 1998 à 2001, il a été assassiné, et c'est son fils qui a pris maintenant le pouvoir, et qui est resté 18 ans au pouvoir. Donc,
Avec toutes ces années, le pays est plongé dans les conflits, dans la pauvreté, dans la corruption. Ce n'est pas à 2 ans, 3 ans que le nouveau président il peut relever la situation. C'est vrai, il dit, chaque jour, il dit qu'il veut changer la situation. On a vu arrêter quelques personnes qui ont détourné les biens publics. On a vu, il a créé des agences anticorruption. Il y a l'inspection générale des finances qui essaie de faire le travail pour dénicher qui a détourné quoi et tout ça. On a vu la justice faire arrêter les gens. Mais nous devons toujours continuer à surveiller et continuer à travailler, à dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Et aussi les mouvements des femmes et des jeunes, et la société civile, on doit continuer à faire le travail. Parce que ce n'est pas à 2 jours que la personne doit changer. Ça prendra du temps que ça prendra. Il ne faut pas que nous puissions baisser les bras. Nous devons continuer à le faire. Notre lutte est infatigable, effectivement, c'est infatigable. On traverse parfois des situations où on est même découragé. Il nous arrive à pleurer. Il nous arrive à décourager en voyant ce qui se passe. Mais après, quand nous voyons les victimes, les survivantes qui viennent chez nous, après quelques temps, vous voyez la personne elle-même, elle est debout, elle commence aussi à participer, à contribuer. Je dis, mais pourquoi moi je vais baisser les bras? Je dois seulement aller, continuer. Et on est déterminé à le faire parce que nous savons que dans d'autres pays, les gens ont fait ça. Ils ont continué à travailler pendant des années et des années. Les autres femmes se sont battues longtemps pour arriver au changement. Il y a, c'est vrai, les conflits fonciers. Et comme je vous ai dit, on a aujourd'hui des problèmes parce que le Rwanda déverse sa population dans notre pays. Tous les réfugiés, qu'on nous dit qu'il y a des réfugiés congolais au Rwanda, en fait, on ne sait plus le nombre exact de ces réfugiés. Parce que tout le temps, le nombre augmente. Et ça, en complicité avec les agences qui doivent s'occuper des réfugiés. Tous les gens qui sont venus de Tanzanie, on les a déversés. On a vu les gens venir dans des bus, 120 personnes dans un bus, quitter Goma et se dire qu'ils vont ils vont visiter les membres des familles. Est-ce que vous avez déjà accueilli 120 personnes chez vous, membres des familles qui viennent vous visiter? Vous allez loger où? Mais non, ils allaient chercher des terres et s'installer. Et ils ont été accueillis. Notre pays, nous sommes vraiment un peuple hospitalier, un peuple solidaire. Et c'est ça qui nous tue. Parce que nous accueillons les gens qui viennent, après ils deviennent de nos ennemis. Les mêmes gens là qui sont venus, on les a accueillis dans la localité de Boga. Mais après, aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui égorgent les gens de Boga. Donc, il y a des problèmes sérieux par rapport aux questions foncières. Il y a la loi qui existe. On a fait même la réforme de cette loi, mais qui n'est pas respectée. Alors, quand on veut toucher un dossier où il y a une personne d'origine rwandaise, directement, ça devient de xénophobie. Non, vous êtes des xénophobes. Sans chercher à comprendre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'eux, ils savent comment modifier les documents. Ils vont aller à Kinshasa, le pauvre paysan de Beni, de Butembo, de Rutshuru, Masisi, n'a pas la possibilité de payer les tickets pour aller à 2000 km pour aller arranger les papiers et avoir des titres fonciers. Mais l'autre, il va là-bas, où ses frères qui sont ministres, qui sont là, ils trouvent les documents, et lui envoie les documents, et là, il brandit ça, et dit, c'est ma concession. C'est ça qui crée le problème. Quand l'autre dit, non, ça ne peut pas se passer, là, les gens n'acceptent pas. Une fois en Europe, j'étais en Belgique, on nous avait invités comme société civile, on est allé là-bas, du Sud Kivu et du Nord Kivu, les coordinations. On nous a dit clairement que les Hutus ne vont plus rentrer dans leur pays. Ils vont rester au Congo parce que le Rwanda est déjà bien organisé. Est-ce que c'est le Congo qui est le bourbier, c'est la poubelle pour que les criminels restent au Congo? Je me suis levée là d'où j'étais, je suis venue voir
la personne qui nous disait ça. J'ai dit, je n'ai pas bien compris. Vous dites que ces gens ils vont rester au Congo, ils vont devenir des paysans, des agriculteurs, et ils vont travailler où? Sur quelle terre? Parce que nous, chez nous, mon grand-père a laissé l'espace là, le champ qu'il avait, à son fils. Et lui, mon père, il me laisse ça, ou il laisse à mes frères. Et les enfants, mon frère va laisser à ses fils. Maintenant, le monsieur là, que vous voulez qu'il soit paysan chez nous, agriculteur, il va travailler sur la terre de qui? Alors la dame m'a regardé, elle a dit, Julienne, est-ce que tu as compris? C'est déjà décidé, ils vont devenir des agriculteurs. Et aujourd'hui, on les voit, ils viennent chercher des terres. Ils déciment toute la population pour récupérer les terres et rester là-bas. Donc les choses sont préparées ici, dans les pays occidentaux. Et on impose à la RDC. Bien sûr, il y a des chefs coutumiers qui ont vendu des morceaux de terre aux gens qui sont venus solliciter. Qu'on vienne acheter. Et qu'on cherche les papiers normalement et on s'installe normalement. Moi, je ne peux pas venir aujourd'hui dire, bon, je viens m'installer ici, je deviens habitat d'ici, j'ai l'espace ici, j'occupe. Non, je vais faire la demande officielle si je veux venir habiter ici. Si on accepte, je viens. Et si on n'accepte pas, je quitte. Il y a les problèmes de réformes. Depuis qu'on a fait cette histoire qu'on a appelée les dialogues de Sun City, c'est là qu'on a tué complètement le Congo. Quand on a accepté qu'il y ait un président avec quatre vice-présidents, tous les belligérants, tous les chefs rebelles sont devenus des vice-présidents. Ils sont venus avec les commandants pour être dans l'armée. Ils sont venus avec les membres de l'ère rébellion pour être des ministres. C'est un message qu'on a envoyé à tout le monde. Si tu prends les armes, tu tues les populations, tu vas devenir ministre. Et c'est ça le message. Et depuis Sun City, on a vu se multiplier les groupes armés. Donc depuis, tout le monde sait, moi j'ai ma base, c'est le groupe armé. Si on veut me chasser là où j'ai la position du ministre, je bouge un peu là-bas, on tue les gens, et puis après on dit non, on négocie. On les met encore ministre. C'est ça le mal. Et c'est ce que nous disons pour le programme actuel. Nous ne voulons pas voir les membres des groupes armés participer ou on les intègre dans l'armée. Ils doivent répondre à leurs actes. Ils doivent être démobilisés, ils doivent suivre les problèmes les plus en charge psychologiques pour être dans la société. Et ils doivent faire des travaux communautaires pour la population, parce qu'ils ont commis des crimes. Ils ont détruit les écoles, ils ont détruit les hôpitaux. Ils doivent construire ces hôpitaux pour la population. Il y a la corruption. Oui, toutes ces années-là, il y a beaucoup de corruption. Aujourd'hui, nous avons des organisations qui travaillent pour faire les rapports systématiques de la gouvernance. Et ils publient les rapports. Et le président de la République a aussi créé une agence anticorruption qui fait aussi des rapports et que nous accompagnons. Donc, on n'a pas assez de temps pour répondre à toutes les questions. Mais j'espère action spécifique, concrète, pour surveiller les agents publics. Nous avons notre coalition pour la justice transitionnelle. Et nous sommes en train de pousser pour que la justice transitionnelle soit mise en place dans notre pays. Parce que c'est le MASA, un cadre qui peut nous aider à faire le vetting pour filtrer tous ces noms-là, de tous ces criminels qui sont dans les affaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore, et même vous avez suivi le prix Nobel, Dr Mukwege, qui en parle partout. Et même là, la coalition a envoyé déjà un bulletin aux Nations Unies, parce que le président va parler, et les activistes ont continué à bouger pour qu'ils parlent de cette question au niveau des Nations Unies. Mais nous voulons aussi qu'il y ait quand même une justice, un tribunal international au Congo. Parce que la CPI n'a pas aidé les gens. C'est très loin de nous.
Nous avons travaillé pour, on a mis nos vies à risque, mais on n'a pas eu les résultats qu'on espérait avoir. Donc nous continuons à nous mobiliser pour ça et nous espérons que le gouvernement du Katala va continuer à porter notre voix et va nous aider. Et nous voulons comme aide. Hier, j'ai parlé que nous avons un projet de construction d'un centre médical. À côté de notre centre médical, on veut une salle de chirurgie où nous pouvons faire des réparations des fistules, où nous pouvons aussi aider les femmes victimes de viols qui sont enceintes de viols et l'accouchement est difficile, elles doivent accoucher par césarienne. Nos médecins peuvent le faire là-bas. Nous avons tout ce qu'il faut, nous avons l'espace, nous avons les devis, il nous manque le fonds pour réaliser ce projet. Les valeurs africaines, culturelles, techniques pour la paix, oui, il y en a. Nous avons fait des recherches et nous avons un rapport, ça c'est à 2008 ou 2007 que j'ai fait ces recherches-là. Il y a des coutumes qui facilitaient les questions de paix. S'il y a des communautés qui s'affrontent, après ils vont faire la paix. Bon, il y avait des violations dans certains rites parce qu'on prenait une jeune fille vierge et on donnait à l'autre communauté pour dire voilà, cette jeune fille va aller faire des enfants chez vous pour remplacer tous ceux qui sont morts pendant la guerre. Nous voulons la paix. Et on la mettait au milieu, entre les deux villages, habillée en blanc. Et quand l'autre groupe qui vient pour faire la guerre, dès qu'ils voient qu'il y a une fille là, ils ne peuvent plus passer. Ils doivent s'arrêter et baisser les armes directement. Il y a aussi des cérémonies qui se passaient où vous mangez ensemble. Donc vous préparez à manger, par exemple, pour les peuples pygmées. Il y avait une tribu bantou, des Bila, qui ont ravi les collines des pygmées. Alors, ils allaient vraiment arriver à un conflit violent. Heureusement, nous avons été informés de ça. Nous avons fait des recherches pour savoir pourquoi ils sont en train de se battre. On a fait des recherches, on a cherché les acteurs, on a cherché les influenceurs, tout ce monde-là. Dès qu'on a eu ça, on a fait la restitution auprès des pygmées, on a fait la restitution auprès des bantous, et eux-mêmes, ils ont décidé à ce que Sofepadi puisse mener la médiation. Et nous avons mené la médiation. Quand nous avons mené la médiation, les bantous ont accepté de retourner les terres des pygmées. Et ce jour-là, pour la cérémonie, les pygmées nous ont dit, tous les deux, ce sont des peuples proches, mais les bantous, par cupidité, ils ont pris des espaces des pygmées pour chercher à les vendre aux autres. Heureusement que nous sommes intervenus et ils ont restitué les 14 collines. Et ce jour-là, il y a une grande cérémonie qui a été organisée. Les pygmées ont amené à manger, s'il vous plaît, je vais terminer juste ça, parce que l'histoire, pour donner un peu un exemple par rapport à ça, à la paix. Donc, on a préparé à manger. Nous, on a amené une chèvre, comme Sophie Paddy. Les Bila ont amené des bananes et les restes, et des boissons. Les pygmées ont amené les noix, leur nourriture qu'ils mangent dans la forêt. Et on a tout préparé. Les gens ont dansé, les gens ont chanté. Ils ont mangé ensemble et on a fini le conflit et les terres ont été restituées aux pygmées. On a plusieurs choses à dire, mais je m'arrête là. Si je n'ai pas répondu à l'autre question, peut-être je le ferai à côté. Merci. Julien, muchísimas gracias. Merci bien, Julienne. Merci bien. Vous avez vraiment très, très bien répondu. On peut de toute façon faire une petite conversation plus tard. Merci bien de votre présence, Julienne. Vous nous avez décrit un contexte très inconnu, un contexte qui est très méconnu par nous. Vous nous avez permis de voir au-delà de la tragédie de la violence. Et dans ce contexte, il y a de l'espoir, il y a des personnes qui travaillent pour que ces injustices puissent finir. Et étant donné que nous vivons dans un monde interdépendant, les responsabilités sont partagées. Et ici, nous trouverons nous aussi notre propre espace. Et avec ces dialogues et ces conversations, nous pouvons entamer et renforcer notre solidarité pour transformer les injustices et pour travailler pour la justice mondiale qui est le
l'objectif que nous partageons en commun. Félicitations pour le prix. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience pendant cette conférence et à toutes les personnes qui nous ont suivis de façon présentielle ou online. Merci bien. Bonne soirée. Merci.